Oh, ça en fait du bien. Ouais. Parler du bonheur. Toi, François, quand tu as pété une crise, tu en avais assez. Dans la jeune vingtaine, tu avais. 28. Tu faisais de l'entretien paysager. Ouais, je tournais de la pelouse, moi. Je faisais du déneigement. J'avais les mains noires en permanence. Ouais, tout est toujours parfait, c'est ça ton le titre de mon livre, tout est toujours parfait. Ouais, je aujourd'hui, l'ai lu en ouais. passant. Tu l'as lu? Ouais. Comment tu passes d'entretien paysager ouais. à conférencier ouais. à quelqu'un qui a tout compris? Ah non. Je diminue pas le travail d'entretien non, paysager je du non, tout. Non, là. Surtout pas. Mais quand même, disons qu'on n'est pas dans les mêmes eaux. Non, vraiment pas. J'ai une autre vie dans cette vie-là. Jamais j'aurais pu croire que je serais ici avec toi aujourd'hui. Je pense à toi tout de suite parce que tu as mentionné Trump à quelques reprises. Ah, au début de mon livre, en page plus. Page 91. Ah oui. Toi, Trump, tu l'aimes. C'était mon modèle. Au passé, tout à coup. Ah non, mais non, si tu lis le livre puis t'es honnête j'ai envers lu, toi-même, j'ai t'es honnête envers toi-même, tu vas te rendre compte que c'était pas au passé, c'était pas au présent. C'est comme, oui, au début, quand j'ai fait mon éveil, je me suis rendu compte que moi, je voulais faire du cash pour quand c'est ce que je voulais. I'm really rich. I built a tremendous fortune. Money, money, I want more money. My father gave me a small loan of $1 million. I have hundreds of millions of dollars of cash. Quand tu l'aimais, là? Ouais, mais en fait, quand c'est un modèle. Quand tu as arrêté de l'aimer? Mais quand je me suis rendu compte que les valeurs n'étaient pas cohérentes avec ce que moi, je voulais dans la vie. Au mois de novembre, là? Ben non, ça, écoute, ça doit avoir pris à peu près un an. Mais en même temps, lui, il est président, moi, je suis pas président. Qui a compris, en fait? Mais là, toi, tu dis clairement que le bonheur aussi, c'est de vendre des livres, c'est d'être là, puis que c'est tes affaires marchent. Tu t'en caches pas pantoute. Vraiment? Moi, je lis ton livre, ouais. Je me dis, OK, pour accéder au bonheur, faut t'écrire un livre qui dit comment accéder au bonheur en vendant des livres qui disent comment accéder au bonheur. On mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est pas en étant pauvre qu'on va aider les gens. C'est pas en cachant qu'on a le droit de faire de l'argent. C'est le bonheur capitaliste. Peu importe. Appelez ça comme mais on non, veut. Mais assume-toi, moi, là, c'est le bonheur capitaliste. Je vais m'assumer vraiment. Mon bonheur, c'est le moment où est-ce que je vais honorer cette divinité-là qui coule à l'intérieur de mes yeux et que je vais accueillir ce que l'abondance met dans mon assiette. Et oui, moi, c'est ça le bonheur. Le moment où est-ce que je me sens en cohérence avec ça, là, je commence à me réaliser. Mais je suis obligé d'intervenir. Moi, j'ai fait l'expérience naufragée des villes, OK? Ouais. Moi, j'ai vécu 2 mois, ouais. OK, avec le chèque d'assistance sociale. 582 piastres. 592 piastres en 2011, OK? Puis, c'est pas facile, mais j'ai vu du bonheur tout à chez fait. Les gens qui avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Tout là. À fait. Et j'ai vu des gens qui s'entraidaient. J'ai vu des choses qu'on ne voit pas quand on a beaucoup d'argent. J'ai vu que l'entraide qui s'en va, qui paraît juste quand il y a des trains qui sautent à Lac-Mégantic, j'ai compris c'était quoi. C'est le ciment, ça devient l'amitié des pauvres, OK? Oui, non, mais tu l'as vécu 2 mois. Je l'ai vécu 2 mois, imagine-toi. Mais 2 mois. C'est assez pour comprendre des choses. Mais on peut rendre ça romantique, ces 2 mois. Quand c'est 20 ans, c'est moins drôle. On s'entend que c'est moins drôle, mais j'ai croisé des gens que ça faisait là, que ça faisait plus que 2 mois qu'ils étaient là-dedans. Okay? Ouais. Lynn, toi, tu as été prof en diététique pendant 11 ans? Mon premier métier était en diététique parce que dans les années difficiles à l'adolescence, où est-ce que j'avais vécu beaucoup d'intimidation, j'avais mangé mes émotions, j'avais pris beaucoup de poids en peu de temps. Donc, j'avais un mal à l'être en dedans qui était vraiment très profond. Donc, je suis allée étudier là-dedans, oui, pour mieux comprendre cet aspect-là. Et j'ai enseigné dans le domaine pendant 11 ans. J'avais le sentiment que j'étais allée au bout de cette carrière-là. Et je me suis posé une grande question. Quand on parle, Benoît, de bonheur, de mieux-être, on pourrait mettre bien des termes. Je me suis posé la question à ce moment-là, quand j'ai réussi à retrouver la santé 6 mois plus tard. J'ai dit, si l'argent n'existait pas dans le monde, oui, on a besoin d'argent pour aller à l'épicerie, payer nos maisons, on n'y va pas avec un merci. Mais j'ai dit, s'il n'y avait pas d'argent dans le monde, mais j'aurais un métier à faire, j'aurais quelque chose pour sentir que je me réalise comme femme, comme personne, puis que je peux faire la différence dans la vie des autres, y compris la mienne, qu'est-ce que je ferais? Puis ça fait 22 ans que je le fais. Bonjour, je suis Lynn Bozic et je suis en compagnie de mon amoureux et associé Bruno Fortin. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous parler du week-end « Comment être heureux en amour » qui aura lieu les 4 et 5 février prochains. Où ça? À Drummondville. Toi, tu étais en marketing communication, hein, pour vendre des affaires à des gens qui n'ont pas besoin? Entre autres. Je suis désolé, mais ça... Entre autres, oui, c'est clair. Ouais. Mais comment vous passez de entretien paysager, diététique, marketing, communication, à monter sur scène, à dire, moi, j'ai compris des affaires, je vais vous les expliquer, acheter mes billets, acheter mes livres, puis vous allez en sortir grandi. D'abord, moi, je fais pas de conférence publique, je ne vends pas de billets. Okay? Ben, t'en vends aux entreprises. J'en vends aux entreprises. Bon. Moi, pourquoi je suis arrivé à ça? Parce que j'étais... Tu sais pourquoi, moi, j'ai parti en liste de bonheur? Parce que je suis pas nécessairement totalement heureux. En 2006, ça? C'est pas que... En 2006, pas quelqu'un qui se donne 10 sur 10 sur une liste de bonheur qui part un indice. L'idée de partir un indice pour intégrer une variable réelle quand vient le temps de juger l'état d'une société, d'une collectivité, plutôt que juste prendre des données financières. Est-ce que des fois, vous vous sentez dépassé par ce que vous avez créé?
parce que vous n'avez pas de formation professionnelle, mais il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de doctorat. Moi, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique. OK? Donc, j'ai un doctorat aussi en métaphysique qui vient de l'Université métaphysique de Californie, qui va toucher... c'est pas reconnu au Québec, j'en conviens. En métaphysique, c'est quoi, métaphysique? Métaphysique, tout ce qui est au-delà du physique, l'intelligence émotionnelle, la pensée positive, comprendre la relation avec soi, aider les gens à s'auto-responsabiliser par rapport à leur bonheur. OK, mais il n'y a pas de diplôme ici au Québec non, de ça. Non, pas reconnu au Québec. OK, six mois après vous avoir entendu, chacun à votre façon, là, je commence à appliquer des choses qui me mettent dans le trouble. Êtes-vous responsable de quoi que ce soit? Non. Je me dis, notre rôle, c'est les gens ont besoin de s'identifier à des gens qui s'en sont sortis. Et ça, ben, mon parcours de vie, les formations, ça rassure le mental des gens. Mais un parcours de vie, ouais. Les gens ont besoin de ça pour s'inspirer. Et je parle de quelque chose que je connais quand je suis dans mon parcours de vie. Tu sais, est-ce qu'on est responsable? Puis c'est super important. Est-ce que je suis responsable du bonheur des autres? Moi, je suis pas là pour sauver le monde. Non. Moi, je ramène le pouvoir aux gens en disant, toutes les réponses sont là à l'intérieur de vous. Il faut arrêter d'être comme une poule de pas de tête. Il faut développer notre attention puis observer ouais. Ce qui est à l'intérieur de nous. On n'a jamais été aussi dispersé au point de vue mental. Il n'y a jamais eu autant de problèmes mentaux. C'est peut-être le temps de revenir à la reconnexion de ce qui est là à l'intérieur de nous. Mais en même temps, ça veut dire quoi, reconnexion à l'intérieur de nous? Écoute. Est-ce que tu vas marcher dans la nature de temps en temps? Non. Le moins possible, souvent. Okay. Le moins possible? Ouais. Quand tu y vas, ça ne te fait pas du bien? Ah oui, deux minutes et quart. Puis après, c'est assez, je l'ai vu, les arbres. Oui, mais c'est ça. Et à un moment donné, il faut ralentir. Parce que sinon, si on ne ralentit pas, il se passe quoi? Quand que je conduis mon auto, je continue de spinner. Mais peut-être quoi? Moi, j'aime les villes. Quand je voyage, je vais dans les villes. Quand tu te couches à soir, tu dors pas avec ta nature. Non, mais je l'ai lu, ton livre. Là, tout à coup, tu vois ça par la nature, l'accomplissement. Fuck la nature. Je m'en fous de la nature. Mais c'est ça. Moi, je vais aller dans des villes. C'est ça qui m'allume. Mais c'est correct. Je n'irai pas à ta conférence. Non, mais la nature est dans la ville aussi. On fait partie intégrante de la nature. Es-tu en train de dire que toi, tu as la solution au problème de TDAH, des enfants, des problèmes de comportement? Es-tu en train de me dire ça? Je suis pas en train de dire que je vais sauver le monde. Wow, l'autre bord, l'autre bord. Dans les messages légaux, oui. Tu as écrit que tu as demandé au livre de trouver son titre. C'est drôle, hein, la façon... Ouais, je sais que ça peut te paraître bizarre. Moi, quand je me couche le soir et que j'ai un livre à écrire, c'est comme je pense à mon manuscrit, OK? Oui. Puis là, je vais dire, qu'est-ce qui émerge de ça, dans ce sens-là? Qu'est-ce qui émerge de ça qui va être l'essence que je veux que ça donne comme ressenti au niveau des gens? Je comprends. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai demandé oui au manuscrit, intérieurement, quand je pense à ce que j'ai écrit à travers de ça pour aider le maximum de gens. C'est quoi le meilleur titre qui émerge de tout ce message-là? Je travaille beaucoup avec mon intuition. Mais tu comprends que demander au livre de sortir son titre... Peut-être que la phrase peut paraître bien bizarre. Je l'assume totalement. Et voyage au cœur de soi, ça veut dire quoi? Un voyage au cœur de soi, c'est qui que l'on soit. On est tous un grand livre d'histoire. On a besoin de mieux se comprendre comme personne. Oui. Donc, d'être capable d'aller chercher cette introspection-là. Je peux-tu t'emprunter ta feuille, Benoît? Non. Imagine que je prends ta feuille, là. Bon, tu l'as devant toi, là. Regarde, je te demande ou je demande à François de la lire. C'est facile. Je prends la même feuille et je fais ça avec. C'est impossible. Donc, une personne qui ne fait pas ce voyage-là au cœur de soi puis qui est toujours à cette vitesse-là dans sa vie, là, ben, de la misère à trouver ses réponses. François, j'ai des phrases. Travaillez constamment à muscler votre attention pour développer votre concentration. Bingo. Tout est là. Rien n'est là. Tout est là. Je comprends pas. Non, c'est ça, exactement. Donc, ce qui amène stress, angoisse, anxiété, c'est qu'on n'a plus d'attention. On n'arrive plus à être focus sur qu'est-ce qui est là ici. Donc, nous autres, on dit, développe ta concentration. Imagine, souvent, je prends une loupe. Si j'ai plus d'attention, donc je suis toujours parti dans mes pensées constamment, j'arrive pas à maintenir mon attention ici, maintenant, je pourrais pas avoir de concentration. Mon attention, c'est ma loupe. Ma concentration, c'est si je reste focus. Moi, c'est là qu'elle est mon expertise. En méditation, en pleine conscience, à revenir ici dans l'instant présent. Le problème, on n'a jamais eu autant de cas de TDAH ou de faux TDAH, de bipolaire ou de faux bipolaire. Les gens font des up and down à cause des réseaux sociaux, Facebook, l'Internet, la publicité, le marketing, et on n'est plus présent, donc on n'a plus d'attention. L'attention est sur l'extérieur, on réagit au lieu d'avoir l'attention sur l'intérieur. Et ça s'apprend. Es-tu en train de dire que toi, tu as la solution au problème de TDAH, des enfants, des problèmes de comportement, de... T'es-tu en train de me dire ça? Je suis pas en train de dire que je vais sauver le monde. Je suis en train de dire que je peux... Non, c'est pas ça ma question. Ben, sur un problème précis. Je suis en train de dire que je peux aider, c'est sûr et certain. Basé sur?
basé sur mon expérience directe. Quelle étude scientifique? De Vipassana. En fait, zéro étude scientifique. Ah non, ben, tu sais quoi? Veux-tu, je vais te dire franchement, là, ouais. Moi, là, les études scientifiques, là, tu trouves toujours la preuve et son contraire aujourd'hui. Moi, l'expérience, la seule chose que je ramasse, c'est l'expérience directe. Est-ce que ça m'a permis à moi de transformer ma réalité? De transformer l'expérience directe, dans ce cas-là, ouais. Ça s'appelle des anecdotes. Ah, ben peut-être. Si tu n'es pas capable de le reproduire, si tu es capable de le reproduire, ça devient scientifique. Moi, j'ai des centaines de personnes qui viennent en retraite ici, qui me suivent de l'Europe, qui s'en viennent ici. Ouais. Je suis capable de le reproduire, j'aide des centaines de personnes. Laissez la vie être la vie à travers moi. Ah oui, c'est beau, hein? Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Aurais-tu aimé la trouver, celle-là, toi? Il y a un droit d'auteur. De plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus j'avance, là, Benoît, plus c'est ça. Exact. Laissez la vie... Être la vie. La vie. Être la vie. À travers moi. À travers moi. Exactement. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Ouais. C'est pas pire, quand c'est même. C'est pas pire, hein? Mais je vous entends parler, puis on dirait que... Il y a juste... Moi, il y a des fois que je... Pas fort, mon affaire. Ouais. Puis je pense que je suis un gars qui a une bonne conscience. Je suis très conscient de mon âme, mais j'ai pas la solution à tout. Pas en tout, OK? Mm-hmm. Puis même mes affaires que je fais, les études que je fais, ça m'a aidé un peu. Mais entre savoir une chose puis l'appliquer, c'est deux mondes. Et c'est pourquoi qu'il faut avoir de l'attention pour revenir ici, pour s'élever, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Le discours intérieur, c'est lui qui nous auto-sabote. Et pour ceux et celles là, qui croient qu'il n'y a pas de magie dans la vie, là, sortez de suite! Mais non, c'est pas vrai. Faut pas se prendre trop au sérieux, je l'ai dit tantôt. It's OK! Êtes-vous dans la business ou êtes-vous des gourous? Ben moi, je suis perçu comme un gourou, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas maîtriser, mais je l'entends constamment. Je me sens pas mal libéré du jugement aujourd'hui, où est-ce que j'en suis. Peu importe la perception que les gens, moi, je sais que je fais du bien. Fait que plus tu vas prendre de la place, plus tu vas être présent, plus que les gens vont avoir peur, c'est leur insécurité, ça m'appartient pas. Moi, je me branche sur ce que je fais. Avez-vous peur de vous tromper? Avez-vous peur, à un moment donné? Vous remettez-vous en question. Tout le temps. Peut-être que je suis dans le champ. Peut-être que je vais amener quelqu'un à prendre une mauvaise décision. Moi, je suis jamais... Parce que je suis appuyé sur de la statistique. OK? Ça me défend, OK? Tu vas me dire, OK... Ouais, c'est comme ton bouclier. Mais c'est ça que j'ai été créé, OK? Il n'y a rien que je dis pas qui n'est pas appuyé par des données. Tu as lu un peu le livre, tu vois bien, puis... tout est appuyé, tout est organisé, tout est structuré. Je suis capable de dire des choses parce que c'est appuyé par des données. OK. C'est des gens qui disent des conférenciers, c'est une arnaque. On le voit. Que vous chargez des sous pour des affaires qui ne sont pas prouvées scientifiques, sur des impressions, sur des expériences personnelles, des anecdotes. Vous affirmez, puis toi, t'es là, puis tu dis, ben, coudonc. Je me dis, s'ils viennent assister à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui les a interpellés. Et je me dis, en bonne conscience professionnelle, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que cette personne-là entende des choses qui vont être d'aplomb, qui sont basées sur un vécu qui est là, qui vont amener une substance, puis qui vont les porter à réfléchir sur leur propre vie. Moi, je leur donnerai pas, gars, fais ci, fais ça, c'est une recette. Non. Voici, moi, comment je peux m'en être sortie, comment je m'en suis sortie. Voici, à la lumière des recherches que j'ai faites, parce que, bon, j'ai ce livre sur le marché, oui, mais je n'ai fait de la recherche scientifique, voir qu'est-ce que les médecins, les psychologues, les grands scientifiques avaient fait sur... Tout ce qui touche le bonheur, la dépendance affective, bon, je suis pas arrivée un matin, je vais écrire des livres. C'est appuyé solide en arrière aussi. Donc, il y a mon contenu, mon expérience. Donc, ces gens-là, c'est un libre arbitre qu'ils ont de dire, je vais assister à ça. C'est parce que quelque chose qui les interpelle. Et de là, ça les amène à faire une réflexion qui sera plus ou moins profonde selon là où ils en sont. Mais moi, je sais que quand je me couche le soir, j'ai aidé plein de monde. Comment tu le sais? Hein, moi, faut aller chercher les gens où est-ce qu'ils sont. Ils sont où, les gens, maintenant? Derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur. Donc, moi, je prends la parole sur les réseaux sociaux et je le sais par les messages que je reçois. Tu me fais tellement du bien. Tu me permets d'accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience. Mais tu comprends, François, tu peux m'affirmer ça. Moi, j'ai aucun moyen de le vérifier. Prends mon téléphone puis regarde un peu. Je vais te débarrer ça. T'as-tu mis tout est toujours parfait? Eh oui, tu le veux-tu? Hey, t'aimerais-tu ça l'avoir? Va voir les témoignages, je montre ton internet. Comme fond d'écran, t'aimerais ça, regarde ça. C'est beau, arrête de me pousser, ta caméra, s'il te plaît. OK, en se quittant, vous allez me dire, moi, comment faire pour être plus heureux? Respire puis accueille. That's it. C'est tout? That's it. Commence juste par ça. Attends, tu penses t'en sortir la même? Respire et accueille. À partir d'aujourd'hui, ce soir, quand tu t'en vas... Développe. OK? Oui, c'est ça, je suis en train de faire. Laisse-moi développer. Vas-y. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas t'en aller dans ton auto, quand tu mettras tes mains sur ton volant, là, fais comme... OK, c'est correct, Benoît.
Fais juste rester ouvert à ce qui va se promener, à ce qui va se passer. Observe les piétons, comment est-ce qu'ils vont passer. Écoute le son de ton auto qui fait du bruit. Arrive à la maison, prends conscience de la clé qui tourne dans ta serrure. Peu importe, tu vas te faire couler ton bain. Écoute l'eau, savoure le moment. Tu vas voir, ton esprit va être dans l'instant présent. Tu vas tomber en paix de plus en plus. Et tu sais quoi? On pense qu'il faut faire des choses pour être heureux. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il faut faire? Mm. Il faut apprendre à bien rien faire pour être heureux. Plus je vais arriver à bien rien faire en étant connecté ici, plus mon esprit va redevenir en paix et plus je vais me sentir comblé et ce vide-là va partir. Il faut que tu remplaces le vide par quelque chose. Faut que ça bouge. Va marcher, fais l'amour, fais quelque chose, fais-le en pleine conscience au travers de ce que tu fais, mais mets ton attention sur tout ce que tu fais. mais là, tu fais pas les deux en même temps. Tu fais pas l'amour et marcher en même temps. Mets-toi tes affaires. Les voisins, moi. Je peux bien faire ce que je veux. Cette affaire-là. Donc, alors, je te ramène un truc simple qui coûte quoi? Gratuit. OK. Lynn, comment je fais pour être heureux? Bien, oui, il y a plusieurs facettes, mais je vais faire ça simple. Être capable d'aller toucher notre sensibilité, notre vulnérabilité, au lieu de montrer une belle façade qui a l'air tout en contrôle. Moi, j'étais une personne par le passé, avant de faire ce métier-là, qui montrait ce côté-là. Je faisais rire tout le monde, j'avais l'air du beau clown, mais ça riait pas en dedans. OK? Oh, t'étais le clown triste. J'étais le clown triste. Donc, être capable, pour en arriver à être plus heureux, c'est d'être capable de toucher cette vulnérabilité-là, notre sensibilité en dedans, qui fait que, regarde, j'ai rien à prouver à personne. Être capable de dire, j'ai-tu besoin d'avoir le dernier mot, puis de chialer après un, puis de chialer après l'autre, puis après mon mari, puis après ma femme. Mais là, j'ai plus de job. C'est pas ça, tu sais, la vraie vie. Mais moi, comment je fais? Là, tu me sors ton pitch, là. Ben, tu me Moi, comment je fais? Bon, il y a un grand sensible derrière toi. T'es un homme qui... Ouais. Ah, moi? Ah, OK, excuse-moi. T'as un très bon sens de l'humour. T'es un grand sensible. Chaque personne qui a un caractère fort, qui va être capable de prendre position comme toi, tu le fais, c'est un grand sensible. Donc, je pense que cette vulnérabilité-là, plus qu'on est capable, comme François dit, d'aller la toucher, de se dire, regarde, du temps pour moi, c'est important. De prendre le temps de juste faire écho en dedans. OK, je peux montrer une façade à quelqu'un, mais est-ce que je suis bien? Il y a des gens qui vont dire, oh, je rêve de rencontrer quelqu'un qui me fait vibrer. Est-ce que tu vibres, toi? Mais tu es un grand sensible derrière, puis elle est belle à voir ta sensibilité c'est quand beau, on se permet d'aller la chercher. Là, tu abuses. Je n'abuse pas. J'ai aucune idée comment être plus heureux. Je te connais pas. Qu'est-ce que tu me proposes? Mais je sais pas, je te connais pas. On va passer une soirée ensemble, OK? Puis après, mais je fais jamais ça. Je fais jamais ça. On va placoter comme des chums, OK? Ouais. Puis à un moment donné, on va placoter, tu vas me parler de ta vie amoureuse, je vais te parler de la mienne, puis on va parler de ça. Puis à un moment donné, peut-être qu'il y a des affaires qu'on va sortir qui vont dire, ah, finalement, c'est correct. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans que je reconnais? Puis je saurais même pas que je t'ai aidé. Merci. Alors, donnez-moi une seconde. Faut que je respire. Faut que j'accueille. Je sais pas, on va faire ça. Ouais, tu l'as bien fait, là. C'est comme ça? Tu l'as bien fait. Merci. À vous, merci. Merci, merci beaucoup.